majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le. Bienvenue au séminaire spécial de Pâques 2020. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour sa fidélité et pour tous ses bienfaits. Nous vous saluons en cette période pascale et nous rendons grâce à Dieu notre Père. Aujourd'hui, nous voulons voir avec vous ce premier message du séminaire spécial de Pâques. Que nous appelons le séminaire de victoire. Notre thème est fin de l'esclavage satanique et début du nouveau calendrier divin pour le monde. Pour l'homme. Vous entendez? Fin de l'esclavage satanique et début d'un nouveau calendrier divin pour l'homme. Alors, en allant pas à pas, nous voulons que vous soyez concentrés sur le message qu'on va vous donner. Ne cherchez pas à gauche, à droite, soit des erreurs ou des fautes, mais écoutez, ouvrez votre cœur pour que la grâce de Dieu puisse vous toucher. Dieu est un Dieu qui parle. Alors la Bible dit que quand Dieu parle, toute la terre doit faire silence et l'écouter. Alors faisons silence dans nos cœurs et écoutons la voix du Seigneur. Nous vous saluons, vous tous qui êtes en contact maintenant avec nous, donc sur Impact TV et nos réseaux sociaux. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle. Comme il est créateur, le créateur parle. L'alpha et l'oméga
parle. Il s'appelle El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai parle. El Shaddai gomdame. Celui qui dit et la chose s'accomplit parle. Samlinghi yeti bumba pida gomdame. Celui qui dit Samlinghi yete une chose bumbu avant qu'elle soit vécue, va vous parler en ce premier jour du séminaire de Pâques 2020. Celui qui appelle les morts de revenir, de ressusciter, veut vous parler en ce jour-là. Alors, comme Dieu parle là, à qui a-t-il parlé? Il a parlé à Adam. Il a parlé à Ève. Il a parlé à Noé. Il a parlé à Enoch. Mais aujourd'hui, nous voulons voir un homme à qui Dieu a parlé. Cet homme était un ami de Dieu. Il s'appelle Moïse Moussa. C'était un vrai ami de Dieu. Que Dieu a choisi, que Dieu a établi pour aller libérer son peuple de la maison d'un, de la main d'un puissant roi. Et Dieu l'a qualifié pour cette grande mission. Il est allé dans ce grand pays appelé l'Égypte. Il est parti simplement avec un bâton. Les gens se disaient, Moïse, est-ce que le désert, le soleil du désert t'a rendu fou? Est-ce que tu connais la puissance de frappe de l'Égypte? Et tu viens contre ce puissant roi-là avec un simple bâton? Moïse n'avait aucun doute dans son cœur. Il savait que Dieu lui avait parlé. Et quand Dieu parle, il veille sur la parole pour l'accomplir. Quand Dieu parle, sa parole ne revient pas à lui sans effet. Quand Dieu parle, quand il envoie sa parole, sa parole atteint son but. Et il a parlé à Moïse qui est allé. Et après un certain temps de combat, il y avait un simple statu quo, ni Pharaon ni Moïse étaient vainqueurs. Ils étaient assis face à face. Mais maintenant, écoutez, Dieu va envoyer sa parole personnelle à Moïse et à ce peuple-là. Comme vous aujourd'hui aussi, si vous nous écoutez attentivement, la parole personnelle de Dieu va vous atteindre. Elle viendra vers vous. Et je crois de tout mon cœur, quand ce séminaire de victoire 2020, ça sera une vraie victoire dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Allons dans Exode 12 et au verset 1. C'est important de savoir ce que Dieu dit. Plusieurs personnes disent, Dieu m'a dit, et quand on écoute, on se dit, même un fou ne parlera pas comme ça. Un Dieu si sage ne parle même pas mieux qu'un simple homme. Regardons ce que Dieu va dire à Moïse et à son grand frère Aaron. Dans ce passage de Exode 12, verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci-là sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu parle à des esclaves. Écoutez-moi très bien. Dieu dit, vous avez trop vécu dans les années d'esclavage. J'ai un projet
d'amour pour vous. J'ai un projet de paix pour vous. J'ai un projet de grâce pour vous. Et c'est pourquoi, écoutez-moi Moïse et Aaron. J'ai une parole précise. Une parole puissante. J'ai déclaré souverainement. Souverainement. De faire un calendrier nouveau pour votre vie. Un calendrier nouveau, donc identité nouvelle. C'est important que vous compreniez. Un calendrier nouveau, donc identité nouvelle. Vous allez passer de l'esclavage à la liberté. Moïse et Aaron écoutent Dieu. Ils ont fait déjà 9 démonstrations de puissance, ils n'ont pas été libérés. Ils ont fait ce que nous appelons les 9 fléaux, ils n'ont pas été libérés. Quel est le 10e fléau que Dieu va amener? Dieu dit, ce n'est pas un fléau, je change votre calendrier, ça sera un miracle, le premier des miracles. La yel toni wonamna wanewa ya bokre pa yel tournan tweyam yomna na yi pipi bon bombande. Dieu dit le premier des mois. Wena pipi kiuga. Le premier des mois, pipi kiuga, c'est le mois de la différence. Ya welertab kiugo. Le premier des mois, pipi kiuga, c'est le mois qui met fin à l'esclavage. Le premier des mois, c'est le mois d'un nouveau départ. Et vous qui êtes en contact avec nous maintenant, qui êtes dans une forme d'esclavage ou autre, et ils étaient esclaves physiquement. Mais vous qui êtes en contact avec nous, est-ce que vous ne vivez pas une forme d'esclavage? Esclavage spirituel, esclavage du péché, esclavage de la maladie, esclavage de la malédiction, esclavage de la misère. Mais si vous êtes dans cet esclavage-là, la parole que nous donnons est pour chacun d'entre vous. S'il n'y a point de paix dans votre vie, si vous souffrez, donc la parole d'aujourd'hui est pour vous. Alors, Dieu a parlé à ce Moïse-là. Il dit, je mets fin à votre esclavage. Pour nous qui sommes là aujourd'hui, Dieu a parlé aussi à travers son fils, qui est notre Moïse. Il y a eu le Moïse de l'Ancien Testament, le libérateur. Il y a eu un Moïse du Nouveau Testament, qui est supérieur au Moïse de l'Ancien Testament, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ Nazareth d'Awa. Et ce Jésus-là, la Jésus Kanga, lui aussi a trouvé un peuple, le monde, dans l'esclavage de Satan et du péché. Et lui aussi est venu pour libérer. Il est venu pour affranchir. Il est venu pour donner une grâce particulière. Alors, donc, les deux personnes, Moïse dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau Testament, et ce Jésus-là est venu nous donner un nouveau calendrier. Si vous ne croyez pas, quand on dit l'année 2020, c'est par rapport à ce calendrier de libération que Jésus nous a donné. Il y a 2020 années que le monde a changé de calendrier, le calendrier du nouveau départ de la fin de l'esclavage de Satan sur les hommes. Il y a eu tous les pisses d'une crème, il parlait, il y a ni salva y mérance à souhaiter à nourrir. Beaucoup de gens ont pensé
que c'était Noël, le nouveau calendrier. Noël, là, on parle, c'est Noël n'est pas le nouveau calendrier. Noël n'est pas l'Israël, on parle. Non. Aïe, aïe. Ce n'est même pas la Pentecôte. Vous n'êtes pas Pentecôte, mais non. Non. Mm-mm. Alors, mais quel est le nom de ce nouveau calendrier? Là, on parle qu'il y a eu bon. Parce que Dieu mais le wena, va donner un nom à ce nouveau calendrier-là. Non, qu'on y aurait, on parle quand ça. Ce n'est ni Noël. À pas Noël. Ce n'est pas Pentecôte. À pour ne pas Pentecôte. Ce ne sont pas les fêtes de l'Ancien Testament. Pas quand pour quoi ticket terrain. Brusquement, Dieu révèle à Aaron et à Moïse le nom, donc le nom de ce nouveau calendrier. Aaron et Moïse, ils ont pas le signe Yourhaya. Dieu dit, c'est la Pâque. Oui, n'importe Ayab. La Pâque. Ça s'appelle Pâque. Ayura la Pâque. Et c'est la Pâque de l'Éternel. Pâque. Ce n'est pas la Pâque des hommes. Panisalba Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Pâque. Dans cette Pâque-là, la Pâque Kankpura, je vais faire une chose spéciale. Deutéronome 26, verset 6. Je vais faire quelque chose de spécial. Deutéronome 26, au verset 6. Deutéronome 26, verset 6. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent. Et ils nous soumirent à une dure servitude. La qui tombe, nous crions à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et l'Éternel, écoutez, mais il nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Voici le contenu donc de la nouvelle, de la nouvelle fête qu'on appelle Pâque. Mais cette Pâque-là est caractérisée par quoi, Dieu? La Pâque, ce nouveau calendrier-là, quels sont les signes, les caractéristiques? Regardons la Pâque de Moïse. Nous allons voir que la Pâque de Jésus et la Pâque de Moïse vont se ressembler comme deux gouttes d'eau. Et même ta Moïse Pâque, à Jésus Pâque, dans la Pâque de Moïse, Exode 3, Exode 12, verset 3. À Moïse Pâque, il écrit le verset 3. Regardons bien ce que la description de cette Pâque-là. Dieu dit à Moïse et à Aaron. Oui, non, là, Moïse et Aaron. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur le dixième jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Première caractéristique de la Pâque, c'est de prendre un agneau. Mais quelle sorte d'agneau? Un agneau mâle. Sans défaut. Vous entendez? Sans défaut. Et qu'est-ce qu'on fera de ce agneau-là? Vous le verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs son agneau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu dit, vous prendrez du sang de ce agneau-là. Et vous mettrez ce sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où vous serez. Et ensuite, vous mangerez la chair de l'agneau. Le sang sera appliqué sur les portes. La chair sera mangée. Vous voyez, ça ressemble à notre agneau. Jésus dit, vous mangez ma chair et vous buvez de mon sang. Mais comme c'était un agneau animal au temps de Moïse, l'homme ne peut pas boire le sang d'un animal.
Dieu dit, vous l'appliquerez simplement sur les portes, vos linteaux. Et maintenant, quand vous ferez ça, ça c'est votre part. C'est de croire la parole et de l'appliquer comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit. Alors, on s'arrête ici pour Moïse. On va aller pour nous avec Jésus, notre agneau divin. Jésus aussi est un agneau comme l'agneau de Moïse. Jésus, mais Moïse, on l'appelle, Dieu l'a appelé l'agneau de Dieu et Jean-Baptiste lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est un agneau mâle et sans défaut. Et Dieu aussi va l'immoler entre les deux soirs. Et c'est son sang qui va être appliqué sur nos vies. Alors, mon frère, ma soeur, regardez la ressemblance entre les deux éléments, la Pâque de Moïse et la Pâque de l'Éternel par Jésus. Maintenant, voyons les résultats de ces deux Pâques-là. C'est ça qui me réjouit. Regardez au temps de Moïse. Regardez le sang qui sera appliqué. Et qu'est-ce que cela va donner? Si vous aviez le temps de lire Exode 12, Exode 13, 14 jusqu'à la fin, premier élément, vous allez voir la confusion et la mort dans tout le pays d'Égypte. Vous allez voir la destruction dans le camp de l'Égypte. Mais en même temps qu'il y a la confusion et la mort dans le camp de l'Égypte, dans l'autre camp, le camp du peuple de Moïse, vous entendez la délivrance et la célébration. L'adoration et la louange. Le sang fait la différence. Écoutez-moi aujourd'hui. Jusqu'à présent, vous n'avez pas considéré le sang comme l'arme fatale contre Satan. C'est pourquoi je dis maintenant qu'à partir de ce jour-là, toute forme d'esclavage qui vous retenait dans ce mois-là, dans ces mois passés, dans ces années passées, toute forme d'esclavage, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique ou morale, qu'elle soit matérielle, je déclare maintenant dans ce premier message, je suis votre Moïse, je parle maintenant au nom de l'agneau divin, je proclame que votre esclavage, il est mis fin à votre esclavage parce que le sang de Jésus a coulé. Dès que la première goutte du sang de Jésus a jailli, le monde de Satan a crié, ça n'est fini de nous. Il fallait empêcher que cet homme la meure. Ils ont dit, Jésus descend. Descend de la croix. Jésus dit, c'est trop tard. Mon sang a jailli. Satan et ses démons étaient terrorisés. La terreur a changé de camp. La domination a changé de camp. La peur a changé de camp. C'est cela pour vous aujourd'hui. Je proclame que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu Tout-Puissant, qui a commencé un jour nouveau avec Moïse, démarre aujourd'hui dans ce message introductif. Déjà aujourd'hui, maintenant même, à l'heure où vous êtes en contact avec nous, ce Dieu Tout-Puissant là commence un nouveau calendrier avec vous. Un calendrier avec votre famille. Un calendrier avec vos affaires. Un calendrier avec votre nation. Je le
proclame, je le scelle par le sang de Christ Jésus. Et je crois que maintenant, en ce premier message là déjà, votre esclavage est détruit au nom de Christ Jésus. Et la puissance du sang qui a jailli commence à vous asperger, enlever vos péchés, à détruire les œuvres du diable sur vous. J'ai proclamé, j'ai scellé, j'ai lié, et le ciel l'accomplit au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Moïse a célébré la Pâque. Nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la Pâque. À Noël, on n'est pas délivré. C'est une simple fête. Vous entendez? Mais à la Pâque, notre esclavage est fini. Nous allons de l'avant et nous progressons. C'est pourquoi, par la foi, croyez au sang de Jésus. Croyez que ce sang qui a coulé là, que Dieu a dit que vous avez vaincu Satan par le sang de Jésus. Ne jouez pas avec ce sang-là. Croyez cela de tout votre cœur. Donc, aspergez ce sang. On va vous montrer tout cela au fur et à mesure. Invoquez la puissance de ce sang. Honorez ce sang. Brandissez ce sang-là comme une arme contre les attaques et les plans de Satan. C'est pourquoi maintenant, avec nous, puisque le sang a eu son effet avec les gens de Moïse. Et avec nous, le sang de Jésus. Colossiens 2:15, il dit qu'il a livré par son sang, il a livré en spectacle Satan, il l'a dépouillé totalement. Vous devez vous réjouir. Vous devez être heureux en croyant cette parole de Dieu. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités sataniques. Les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix où le sang a jailli. C'est pourquoi il dit, vous l'avez vaincu par mon sang. Et par le témoignage que vous donnez de ce sang-là. Ne fermez pas votre bouche en vous asseyant en faisant non. Votre bouche participe à votre délivrance. Votre bouche participe à votre libération. Et Dieu vous donne son salut sozo. Par le sang de Jésus-Christ. 1 Jean 3, 8, on ne va pas le lire. Il dit qu'il a détruit les œuvres de Satan. Il l'a détruit, il a amené le sozo de Dieu. Le salut complet de votre âme, votre délivrance, votre bénédiction, il a libéré totalement. Et à cause de cela, maintenant je proclame sur vous qui êtes en contact avec nous. Oh Seigneur, le sang de Christ Jésus, tu l'as vu. Au temps de Moïse, tu as dit tu veux voir le sang. Tu as vu le sang. Et alors tu es passé. Le destructeur, l'ange de la mort, n'a pas pu détruire. Et par le sang de Jésus, avec ton peuple en cette période pascale, Seigneur, j'asperge le sang de Christ Jésus sur leur vie. Et Seigneur, tu vois le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est devant toi, devant ton trône. Regarde ton peuple aujourd'hui. Ceux qui sont en contact avec nous. Regarde ce peuple-là. Et regarde le sang de Jésus. Regarde ton peuple à travers
travers le sang de Christ Jésus. Et maintenant, ce que tu as fait en Égypte, ce que tu as fait au destructeur, maintenant, Père, en regardant à travers le sang de Christ Jésus, je te confie mes frères et mes sœurs, je te confie toute personne qui regarde maintenant, et je proclame destructeur satanique, l'ange de la mort, l'ange de la destruction, je dis maintenant, par le sang de Christ Jésus, tu n'as aucun pouvoir de détruire aucun de ces enfants de Dieu. Je commande que tes plans et tes projets soient détruits maintenant dans la vie des gens, du peuple de Dieu et ceux qui sont en contact avec nous. L'ange de la mort saute votre maison maintenant au nom de Christ Jésus. L'ange de la mort passe. Car là où il y a le sang, le Père est en contrôle. Là où il y a le sang, le Saint-Esprit est en contrôle. Recevez maintenant. Recevez cette grâce-là. Que le sang soit répandu sur vous. Que le sang vous couvre. Soyez sous l'abri du très haut. C'est le sang de Christ Jésus. Afin que le Saint-Esprit puisse agir dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Oui. Le sang n'a pas fait seulement que vous délivrez, il vous a justifié. Romains 5, 9 dit que nous avons été justifiés par le sang. Afin que la colère de Dieu s'arrête. Tu étais en colère à cause du péché. Mais quand il a vu le sang de Christ Jésus, son cœur s'est calmé. Le cœur de papa, bon Dieu, s'est calmé à notre égard. Et à cause de ça, il est venu nous justifier. Et il nous dit, regardez le sang de mon fils. À cause de ce sang, vous êtes justifié. Il n'y a plus de condamnation pour chacun, aucun d'entre vous. Ça, vous le trouvez dans Romains 8, versets 1 et 2. Parce que la loi de l'esprit de vie, car la vie est dans le sang. Quand il a donné son sang, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, a pris ce sang-là et a donné la vie aux gens. À cause de ça, vous êtes totalement justifié. Mais ce n'est pas fini. Vous n'êtes pas justifié pour être, pour vous promener au hasard. Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait? C'est extraordinaire. Dans Hébreux 10, verset 19. Regardez ce que le sang de Jésus a fait. Le ciel était fermé devant les hommes. Mais quand Jésus a présenté son sang devant le Père, il est rentré. Il est parti inaugurer le ciel. Laver le ciel avec son sang. Et Jésus se tourne vers nous maintenant. Il dit, mes frères et mes sœurs, vous tous qui avez cru en moi, qui avez accepté mon sang comme le moyen de votre salut, venez au Père. J'ai ouvert une libre entrée dans le sanctuaire céleste, dans la présence même du Père. Et il nous introduit. Écoutez, je suis dans la joie. Il nous introduit dans la présence du Père. Et le Père s'élève. Il dit au Père, voici le peuple que tu m'as envoyé pour racheter. Je les ai rachetés. Je les ai libérés. Les anges du ciel se prosternent. Il dit, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. Les anges disent, il a ramené le peuple de Dieu au Père. C'est la fête dans
Le père a retrouvé sa famille. Sa famille qu'il avait perdue au jardin d'Éden. Quelle joie d'avoir été justifié, lavé par le sang de Jésus et introduit dans la sainte présence de Dieu. Vous êtes introduit dans la salle de rendez-vous de Dieu. Il vous a fait asseoir dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ pourra. Merci Seigneur. Barkazi soba. Sois béni Seigneur. Va me pire les soba. Sois glorifié Seigneur. Va me zek les soba. Parce que mon frère, ma sœur, bah, les meubles là par là. Il est très important que nous comprenions ces vérités. Talanyur katil bang c'est quand ils vont re. Il est très important. Talanyur kasanga. Que nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous. Titon gila la soda na. Il est très important. Talanyur kasanga. Que nous puissions comprendre la parole est puissante de Dieu. Titon toba wenam gum nan tarpanga zanga. Car Dieu n'a pas changé. Bal wenam nam pas toi. Il est toujours le même hier. Aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, quand il nous a justifiés et nous a positionnés, maintenant, Dieu dit, vous revenez sur la terre. Maintenant, vous devenez mon armée. Vous allez combattre. Mais quel combat vous allez combattre? Il dit non. Ce n'est pas vous qui, en réalité qui allez combattre. Il dit un. Je vous donne mon esprit. Le Saint-Esprit qui est en vous. Et comme il est en vous, il va agir puissamment. Et comme il est en vous, il va faire des démonstrations. Il est venu apporter ma gloire en vous. Vous vous souvenez, il est écrit dans Romains 3, 23, 24 que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque vous avez été justifié par le sang de mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque le sang de mon fils a pu ouvrir le ciel même pour vous, le sang de mon fils là a fait une deuxième chose extraordinaire. Il a ouvert votre cœur pour que le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vie, vienne habiter en vous. Quel miracle! Quel miracle! Le Saint-Esprit, si songo, lui qui est si saint, a pu rentrer en toi et en moi. Ton qui est faux, la main pour un. Non pas à cause de tes mérites. Pas fou, man, vous me servez pas à cause du sang de Jésus. À Jésus, si, mais yin. À cause du sang. À Jésus, si, mais yin. Parce que tu as été justifié. Bah, faut pas me tirer là. Tu as été sanctifié. Faut pas me yilerer. Si tu demeures dans ça, faut s'empagner pour un. Tu deviens l'espérant de la gloire de Christ en nous, l'espérant de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est en toi. Et partout où tu vas, Satan voit la gloire de Dieu. Il voit cette lumière divine en toi. Mais il veut tout faire pour que tu n'en sois pas conscient. Que tu restes dans l'ignorance. Il faut pas zier le pouvoir. Comme ça, il profite pour te fatiguer. Pour te maltraiter. Pour t'humilier. Il veut que tu cours à gauche, à droite. Oubliant que le Dieu glorieux est en toi. Et que tu dises, je n'ai pas de puissance. Oh, priez pour moi. Oh, poussez-moi. Pour que j'ai la puissance. Il veut te faire jeûner à l'extrême. Là, il faut qu'il y ait le nord, à pleurer à l'extrême, à te morfondre, à avoir un complexe d'infériorité, à te taper, à te culpabiliser, en disant nous pauvres petits pécheurs, qu'est-ce qu'on va faire avec Dieu? C'est ça qui vous fatigue. Il ne veut pas
pas que vous croyez que vous êtes fils et fille de Dieu. Des enfants halal de Dieu. Il n'aime pas ça. C'est ça qu'il a fait pour avoir Adam et Ève. Il dit, toi et Ève, là, toi et Adam, là, vous ressemblez à Dieu. Vous là, vous ressemblez à Dieu. Vous avez bien entendu Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Vous ressemblez à Dieu. Ah, bon. Ève dit, en tout cas, elle dit non. C'est quand vous allez manger l'arbre là que vous allez ressembler à Dieu. Pour le moment là, vous ne ressemblez pas à Dieu. Il a fait tomber Ève et Adam. Il est venu à Jésus, le dernier Adam. Il dit, toi tu es fille de Dieu. Toi là. Il dit comment ça? Tu es tombé qui? Tu es tombé qui ici? Toi fille de Dieu? Toi là. Avec deux pieds comme ça là. Hein? Fille de Dieu. Il dit, moi si tu es fille de Dieu, c'est pas difficile. C'est pas difficile, hein? Tu vois les cailloux là? Tu as faim, non? Tu as faim? Tu vois les cailloux là? Transforme-les maintenant en pain. Pain chaud, pain chaud. Pain chaud. Transforme-les. Jésus le regarde avec mépris. Jésus guérissait même pas au monde. C'est comme ça que tu as fait pour avoir Adam. Et dis-moi, moi là, je ne vis pas de sentiments. Non, je ne vis pas d'émotions. Je vis la parole de Dieu qui est la nourriture de l'homme. Donc arrière de moi, Satan, il a donné d'où il est parti. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu en vous soumettant à sa parole. Il a dit que vous avez vaincu Satan par le sang. Il a dit que vous êtes justifié. Il a dit que vous êtes sanctifié par le sang. Il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour vous. Il a dit si vous péchez, confessez c'est votre péché. Il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier par son sang. Parce que son fils est un avocat au tribunal où Satan est venu vous accuser. Le fils a levé la main au tribunal. Il est au grand juge. Il appelle son père grand juge. Satan accuse mes enfants. Satan a rôti même comme mais regarde, grand juge. Regarde mes mains. Regarde ma tête. Regarde mon côté. J'ai versé mon sang pour laver ces hommes-là. Par mon sang, je les ai justifiés. Le Père a dit, c'est vrai. Ce que tu as fait a de la valeur au ciel. Donc, ton peuple est justifié. Mais Jésus s'est tourné vers Satan maintenant. L'accusateur. Il a dit, quant à toi, ton sort est réglé. Tu le sais bien. Car la croix du calvaire, je t'ai vaincu, je t'ai dépouillé, je t'ai livré en spectacle. Sors du tribunal. Il est sorti. Et nous sommes sortis du tribunal de Dieu, lavé, purifié. C'est pourquoi quand tu pèches, répands-toi, confesse ton péché. Le sang est toujours là. Le sang n'a pas perdu sa puissance. Le sang n'a pas perdu sa valeur. Je suis content parce que le sang n'a pas perdu sa valeur. Le sang est toujours là. Ce sang-là, il est là où vous êtes. Si vous êtes culpabilisé, dites au Père, je confesse mon péché et par le sang de Christ Jésus, je suis lavé, je suis purifié. Même là où vous êtes maintenant, même là où vous êtes maintenant, n'ayez pas peur. Non, frères et sœurs, croyez, vous êtes justifiés. C'est pourquoi, dites avec moi, Seigneur, merci pour la victoire
pour la victoire sur Satan à la croix du calvaire. Tu l'as vraiment vaincu. Et Seigneur, tu as transféré cette victoire à notre avantage. Aussi, moi qui suis assise maintenant, je dis et je proclame, Satan, écoute-moi. Démon, écoutez-moi. Par le sang de Jésus, et l'agneau divin, vous avez été vaincu. Et Jésus m'a inclus dans sa victoire. Cela veut dire que moi aussi, j'étais vaincu Satan. Par la victoire de Jésus. Et je témoigne de cette victoire-là partout par ma bouche. Par le sang de Jésus. Je suis libre. Je ne suis plus sous ton esclavage. Tu connais la parole de Dieu Satan. Il est écrit dans Colossiens 1, verset 13 et 14. Que nous avons été délivrés de la puissance de Satan. Et que Dieu nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et tu sais que Dieu ne ment pas. La fausse Satan minti on n'a pas gomme yare. Qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. On a bien tab gomme na mar gomme na hiété. Donc Satan. Nen Satan. Pauvre Satan. Satan yalga. Tu perds ton temps. Faut s'amdahouer. Ya ya wa. J'ai pitié de toi. Tu perds ton temps. Je suis délivré. Je suis dans le royaume du Père. L'avait purifié. Et s'il m'arrive de pécher, je confesse. Le sang de Jésus est toujours là. Me lave et me purifie. Satan. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, que vous savez que vous êtes justifié, que le Saint-Esprit habite en vous, réjouissez-vous. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Merci Seigneur pour cette habitation-là. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, Dieu vous a sauvé. Pourquoi? C'est important. Dans Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 1, il vous a sauvé pour que vous puissiez combattre le bon combat de la foi. Dans Éphésiens 6, verset 10 d'abord, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, à vous, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, prenez votre force dans le Seigneur, pas en quelqu'un d'autre. N'allez pas prendre l'onction comme votre force. L'onction n'est pas votre force. L'onction est une puissance pour le ministère. Mais votre force est dans le Seigneur et dans son sang. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. La source de votre force n'est pas l'onction. Vous confondez, l'onction c'est pour le ministère. Face à Satan. Mais votre propre force qui vous permet de résister à l'ennemi, ce n'est pas l'onction. C'est la force même de Dieu qui est dans son sang. C'est pourquoi avant d'aller au combat, Apocalypse 6, verset 1 et 2 nous dit, quand Jésus a versé son sang, il a ouvert les 7 seaux. Quand il a ouvert le premier seau,
Ah, quand l'agneau ouvrit un des seaux, quel agneau, l'agneau immolé, avec son sang, a pu ouvrir les seaux. Quand il a ouvert le premier seau, Jean a entendu cette parole-là au verset 2. Qu'est-ce que cette parole dit? Je vis un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Il n'est pas pour aller combattre, il est parti pour vaincre. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, 10, là, sur lequel on revient encore. Éphésiens 6 et Apocalypse 6, là, se ressemblent. Celui de Éphésiens 6, là, Dieu l'a fortifié. Éphésiens 6, par sa force avant d'aller combattre. Celui de Apocalypse 6 là, Dieu aussi l'a fortifié. Il lui a donné un arc, il a été couronné. Il a été déclaré vainqueur même avant le combat. Et il est parti pour vaincre. C'est ça votre situation aujourd'hui. Si vous êtes faible, il ne faut pas demander la force à Dieu. Même quand vous êtes faible là, Dieu dit que le faible dit je suis fort. Il n'a pas dit Dieu donne-moi la force. Tu as la force de Dieu par le sang et le Saint-Esprit qui habite en toi. Ô peuple de Dieu, comprenez la parole de Dieu. Comprenez la parole de grâce. Comprenez la parole d'amour. Comprenez la parole de délivrance. Et au verset 11 de Éphésiens 6. Éphésiens au verset pile à Yemra. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez bien? On n'a pas le diable à vous vaincre. Hein? De tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable utilise les ruses. Il n'a pas de puissance contre vous. Mais il a des ruses. Des pièges. Et les pièges sont dangereux. Mais Dieu dit, il y a des armes contre les pièges et les ruses de Satan. Je vous les donne, revêtez-vous de ça. Revêtez-vous de ces armes-là. Et au verset 13. Le verset puis la table. 13. Verset puis la table. Quand vous êtes revêtu, il y a des armes que vous devez prendre. Il y a des armes de revêtement qui sont la justice, la ceinture, la cuirasse, les chaussures. Ça, c'est des armes de revêtement. Les armes que vous prenez, le bouclier de la foi, la parole. Et il y a aussi le casque du salut qui est une arme de revêtement. Donc vous prenez les armes maintenant par lesquelles vous allez attaquer Satan. Et lui résister. C'est quelle arme? La parole. Jésus a résisté à Satan par la parole. Il a résisté. On dit résister au diable. C'est par la parole. Par la parole. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre moyen. La parole de Dieu. La parole de grâce. La parole de puissance. C'est pourquoi, dans le dernier verset, il dit, en tout temps maintenant, faites des prières. Mais si vous n'avez pas les armes là, vous ne pouvez pas prier. Vous avez oublié ça. Vous mettez la prière avant. On te dit, dans ce passage d'Éphésiens 6 là, on va revenir sur ça. Et tu vas voir que la prière là se situe à la fin. À la fin. Et tu vas comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Il est écrit,
quand verset 18. Verset pilani. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mani wakar fane sira pujbo toto ele sirbu toto. Veillez à cela avec une entière persévérance. Musi mani na ranende taure. Et priez pour tous les saints. La pusini yili mafanga. Ouais, la prière est comme de l'huile maintenant. Ya me pusa le wakar mosa. Quand vous avez toutes les armes là. Ya mata zapti le gili. Comme dans la voiture. Ouais, mobile pour. Quand la voiture est prête, vous allez vérifier l'huile maintenant. Vous mettez l'huile maintenant. Et vous partez. Donc vous voyez, c'est avec ces armes-là, mais avec, en sachant avec certitude que l'arme fatale, c'est le sang de Jésus. Ce sang-là vous a donné la victoire déjà. Vous n'allez pas le vaincre, vous allez l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu, vous entrez dans la victoire de Jésus. Mais vous passez votre temps à lui résister et tenir ferme. C'est ça votre part. Résister, tenir ferme. Résister, tenir ferme. Résister par la parole. Quand vous avez fini, vivez dans la crainte de Dieu, vivez dans l'amour de Dieu, et vous allez continuer à vivre dans la victoire. C'est ça le secret de la vie chrétienne victorieuse. Bien-aimés frères et sœurs, cette semaine-là, semaine c'est la semaine de révélation. Il y a 24 semaines. Et pour vous, et Satan ne peut rien. La Satan n'a pas tenu fou. Il ne peut pas, il peut rien vous faire. S'il vient, à Sangwa, brandissez le sang. Zekizi mantorala. Parlez la parole. Gwame gwumna. S'il vous arrive de pécher, Bayamana yelwende. Confessez. Sakiti maniamba le sang de Christ Jésus. La Christ Jésus ima. Va vous garder. Nangunyamba. Alléluia. Alléluia. Je me réjouis. Mam kidem dame. Pour ce message d'introduction. Kuikanga mpaka séminaire. Mon frère, ma sœur. Mbigira wala para. Parce que ce message d'introduction vous permet de savoir qu'en toute chose, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, comme il est écrit, que nous sommes introduits dans la présence du Père par le sang de Christ Jésus. Dites avec moi ceci. Dites quelle grâce. Nous avons été libérés du pouvoir de Satan. Transférés dans le royaume du Fils de son amour. Mais quelle merveille de savoir que par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans ta présence. Que nous pouvons te voir sans peur. Or, le péché nous empêchait de te voir. Nous étions comme les sacrificateurs au temps de Moïse. Ils étaient frustrés. Ils savaient que derrière le rideau, il y a Dieu qui est là-bas. Ils ne pouvaient pas le voir. Ils entraient seulement dans le lieu saint. Ils savaient que derrière ce rideau simple-là, il y a Dieu. Mais à cause de leur péché non enlevé, s'ils rentraient là-bas, ils étaient morts. Mais quelle grâce! Quand Jésus est mort, Dieu a déchiré le voile, le rideau là d'en haut vers le bas. Et Dieu nous dit maintenant, par le sang de mon fils, je vous invite, venez, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes maintenant, vous peinez sous vos fardeaux. Le sang de Christ n'a pas perdu de puissance. Le sang de Christ vous libère, vous pardonne. Le sang de Christ a détruit les œuvres du diable. Donc venez à lui, venez en sa présence, marchez dans cette présence-là avec
détermination et foi. Car il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, le sang de Christ Jésus. Maintenant, croyez. J'aspère ce sang-là dans toute partie où vous êtes malade. Mettez vos mains, dites avec moi. Si vous avez mal au poumon, j'aspère, je marque ce sang-là sur mes poumons. Quelle que soit la partie où vous êtes malade, dites avec moi, j'aspère ce sang-là. Comme Israël a fait en Égypte. Ils ont mis le sang par la foi. Je mets le sang de Jésus-Christ sur mon cancer, sur mon diabète, si vous avez sur l'hypertension. J'aspère ce sang-là sur toutes les parties de mon corps malade. Et le sang détruit toutes ces maladies maintenant. Parce que le sang a détruit les œuvres du diable. C'est pourquoi toutes les malédictions dite ancestrale, toute malédiction générationnelle ne peut pas résister au sang de Christ Jésus. Je proclame sang de Jésus Christ, tu détruis maintenant toute malédiction dans ma vie, dans ma famille, sur mon père, ma mère, sur mes enfants, mes frères et sœurs. Sang de Jésus, il est dit que ton sang parle plus que le sang d'Abel. Cela se trouve dans Hébreu et ensuite dans Genèse. Dieu a entendu le cri du sang d'Abel. Il a demandé ça à Caïn. Dieu a entendu le sang et le cri de ton sang. Et tout est accompli. Tout est achevé. À cause de cela, tout est accompli dans ma vie. L'œuvre est achevée. L'œuvre est accomplie. Le salut est là. Vous qui n'êtes pas sauvé. L'occasion vous est donnée maintenant. Vous dites avec moi. Oh Seigneur, le sang de ton fils Jésus, c'est le sang de l'agneau divin. Ce sang a coulé sur la croix du calvaire. En cette période pascale, moi je crois que ce sang-là qui a été versé a ôté mes péchés, a purifié mes péchés. Je crois dans mon cœur, je confesse par ma bouche que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. À cause de cette confession, je reçois maintenant non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés. Je reçois un nouveau cœur. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Et je suis un enfant de Dieu. Merci Père. Je suis délivré de l'esclavage de Satan. Il n'a pas de pouvoir sur moi. Et vous qui avez peur la nuit, vous qui avez peur, j'asperge le sang de Christ. Mettez votre main sur votre tête. Vous qui avez peur la nuit, vous qui êtes oppressés par les esprits, les esprits qui vous oppressent, vous entendez des voix, vous voyez des choses. Maintenant, mettez vos mains sur vos têtes. Père, dans l'autorité du nom de Jésus, j'asperge, je mets le sang de Christ Jésus sur ces hommes et ces femmes. Cette même nuit-là, après l'émission, quand ils vont dormir, frère, le sang vous a lavé. Le pouvoir des démons est brisé. Tout ce qui vous tenait esclave est parti. La puissance du sang de Christ Jésus a détruit ces œuvres de Satan. Vous ne verrez plus ces hommes ou ces choses-là. Vous n'entendrez plus leur bruit. Vous ne vous réveillerez plus la nuit en sursaut. Toutes ces œuvres-là sont détruites maintenant par le sang de Christ Jésus. Par le sang de Christ Jésus. Vous n'allez plus vous lever courir. Quand vous entendez derrière vous une voix. Quand vous retournez, vous ne voyez rien. Tout cela est terminé.
il n'y aura plus de mort prématurée dans votre famille. Ces choses-là sont arrêtées. Il a mis fin à tout cela. Par la puissance du sang de Christ Jésus. Recevez maintenant la délivrance par le sang de Christ Jésus. Par le sang de Christ Jésus. Dites, je suis guéri. Je suis délivré. Par le sang de Christ Jésus. Je suis béni. Par le sang de Christ Jésus. Mes affaires prospèrent. Par le sang de Christ Jésus. Mon travail est restauré. Ma position est restaurée par le sang de Christ Jésus. L'intelligence de mes enfants revient. Mettez la main sur la tête de vos enfants. Chaque fois, il part des examens. Il part des concours. Mettez la main, dites, j'aspère le sang sur ta tête. Ton cerveau est renouvelé. Ton intelligence est renouvelée. Proclamez ces paroles. Si les gens disent c'est faux, laissez-les. Si les gens vous insultent, laissez-les. Je sais de quoi je parle. Ça fait 47 ans que je suis là-dedans. Ils ont combien d'années là-dedans? Ce sont des apprentis menuisiers. Donc laissez les apprentis là. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous sommes heureux d'être participants de ce séminaire. Nous sommes heureux d'être membres de la famille de Dieu. Et nous avons le sang. Ça nous rassure. Oh Père, merci pour ce premier message introductif. Priez pour le serviteur. Pour que demain encore, il puisse partager avec vous ce qu'il a reçu de Dieu. Aujourd'hui même, soyez remplis de joie. Alors, si vous êtes rempli de cette joie-là, dites avec moi, simplement, asseyez-vous et soyez content. Et dites avec moi, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Chantons ensemble. Je suis fort, fort, ensemble, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs. Par le sang de Jésus, vous êtes forts, forts, oui, plus que vainqueurs. Par le sang de Jésus, notre sauveur. Voici, bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu pour ce message introductif qui est simplement délivré de l'esclave, fin de l'esclavage satanique et début du nouveau calendrier divin pour toi. Pour toi et moi. Je vous apprécie. Je vous aime. Soyez bénis. Au nom de Christ Jésus. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. La Bible déclare : ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes. À cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Elle est scellée par le sang précieux. Le sang de je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Oh yeah.
l'ennemi vient m'attaquer. La mort est scellée. Quand il vient me décourager. La mort est scellée. Et quand la vie veut m'angoisser. La mort est scellée. Elle est scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi. La mort est scellée. Quand le malheur s'approche de moi.